Oh, le bel homme. Us. Ok Fred, on a changé de terrain là, on est sur le tien, clairement. Donc tu vas me faire faire quelques lancers. Mais est-ce que tu peux me montrer un peu à quoi ça ressemble? Parce que je suis pas sûr de voir, tu vois. Faut que tu m'éclaires. Tu visualises pas trop quoi. Voilà. On n'est pas sur une marche de petit poussin quoi, voilà. C'est différent. Voilà. Et d'ailleurs, si tu as un mot à dire sur ta discipline qui est formidable et qui est sous-représentée en France. Comme beaucoup de sports, hein, y a beaucoup de sports qui sont malheureusement trop intimes à mon goût. Mais bon, ça... Non, après, alors le lancer de poids, c'est quoi? C'est donc, bah, comme j'ai dit, un poids. Donc là, en l'occurrence, chez les adultes, il fait 7,260 kg. Beau bébé. Simplement. Donc, il y a plusieurs diamètres. Hein. Celui-là, c'est le plus gros parce que il se trouve que j'ai des mains un peu grosses. Donc ça va être un peu plus dur pour toi. Du coup, c'est vrai que même à poids égal, tu peux choisir la exactement, densité du truc. Exactement. Parce que est-ce qu'on peut se rapprocher un peu pour voir la différence de main un petit peu. Voilà, bon. Léger quoi. C'est pas énorme, ça va. Donc le poids fait 7,260 kg, ça c'est la norme, c'est le poids de compétition. Donc moi je peux être amené à lancer plus lourd ou moins lourd selon si je veux travailler l'explosivité ou un petit peu plus la technique. Et là, l'objectif, il est simple en fait, c'est de lancer le plus loin possible. Allez. Tu vas commencer? Allez, je commence si je tu veux, c'est parti. Allez. Tu mettras un petit plot là où t'atterris. Voilà, c'est allez, ça. Ça va. Et puis on mettra un petit plot là où t'atterris. On fera une petite différence. On fera une petite compète. Mais alors, par contre, vu que rapport poids-puissance, t'es à peu près. Mais déjà, il y a que 10 kilos, je t'ai dit. Il y a que 10 kilos, à peu près le double, voilà. On va dire que sur ton max, je divise par deux. Faut que je fasse deux fois plus pour gagner. Voilà, c'est ça. Tu mets un petit challenge. C'est ça. J'essaye de te botter les fesses en fait. Voilà. Donc, allez, faisons ça. Alors, déjà, est-ce que t'es gaucher ou droitier? Je suis droitier là, je pense. Ah là, l'erreur. C'est pas grave, on fera avec. Hein. Donc, face à moi. Jambes écartées, un petit peu plus large que largeur d'épaule. Ok. On prend le poids, pleine main, on vient le poser contre le cou. Ah ouais, du coup, tu vois, là, moi, je et sens là, que... Et là, un peu de geste, effectivement, parce que selon la grosseur du poids, tu peux trouver un petit peu plus de place dans l'épaule. Je vois. Une fois qu'on est dans cette position, cette main-là, ici, tu vas descendre sur ta jambe arrière, venir fermer le tronc. Ensuite, tu vas pousser fort sur cette jambe qui est pliée pour engager la hanche et créer un effet un petit peu catapulte. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Cette espèce de chaîne croisée, en fait. Pour venir faire un petit peu comme un arc de tir. Le chat, tu vois, la chaîne croisée, le chat. Exactement. Il y a des liens, tu vois. Mais avec un côté élastique en plus. Élastique, plio. Pour avoir du renvoi, exactement. Donc, tac. Le bras, il vient devant. Hein. Tu viens fermer. Et je l'utilise un petit peu comme... Exactement. Là, ça va te permettre d'ouvrir ta cage et créer encore un petit effet élastique. Et surtout, même si c'est pas réel, je veux dire, t'as pas de point d'ancrage, mais cette main, en fait, va pouvoir un petit peu psychologiquement te servir, tu sais, pour venir ancrer et pour être grand au final. Ok, et bah vas-y, je vais essayer d'être grand. Allez, je t'en prie, je me mets à la chute. C'est parti. Tu peux reculer, hein, vas-y, va plus loin, parce que là, tu risques de te prendre sur le nez. Attends, deux secondes. Vas-y. Connard. Alors déjà, je vais décomposer une première fois. Ouais, exactement. Pense bien à descendre sur tes jambes après. Pour l'instant, j'ai presque pas utilisé mes jambes. Ouais, voilà. Donc là, faut que je fasse plus loin que ça là-bas maintenant. Ouais. Ok. Ah ok. Donc là j'ai 50 cm de plus et j'ai poussé un peu plus sur ma jambe arrière. C'est pas encore foufou mais je sens qu'il y a plus de cohésion haut et bas déjà. Ouais. Donc on va dire que là j'ai atterri à peu près là. Commence pas à tricher, hein. On t'a à l'œil, hein. On vérifie. S'il n'y a pas d'impact. L'impact il est plus dans la fourrée. Allez, vas-y, je t'en fais encore. C'est par combien en général en compète? Alors en fait, en compétition, on a 6 essais, 3 plus 3. C'est-à-dire? 3 premiers essais, par exemple sur une finale de championnat ou de grand championnat. En général, on est 12, ils prennent les 8 meilleurs. Okay. Et ensuite, on a 3 essais supplémentaires, tout simplement, pour aller faire un petit peu mieux que les autres. Ça marche. Je fais comme toi, là. Ouais, faut s'énerver un peu. Le secret, il est dans faire monter le, tu vois. Faire monter la moutarde. Exactement. D'accord. Eh, mieux. Mieux, comme quoi? C'est pas foufou encore, mais c'est mieux, tu vois. Et l'impact, à une vache près, il est là. Donc 80 cm plus loin. Par contre, on sent bien les contraintes ici au niveau de la cage thoracique. Je sens bien que j'ai un gros effort qui se crée, une grosse tension. Des exercices de gainage lourd parce qu'effectivement le poids il fait 7 kg donc c'est extrêmement lourd. Donc on est vraiment sur la recherche d'être solide en fait. Ouais. Pas forcément qu'en musculation mais avoir là les muscles profonds, ce qui nous fait tenir debout, bah là ils sont vraiment en action à 100%. Ouais, super ouais. Sollicité. Exactement. Le temps que je me remette de cette déchirure, est-ce que tu veux nous faire un petit lancer? On fait ça? Allez, on fait ça et il faut que tu lances deux fois plus loin que moi. On va essayer, écoute. Thank you.
Oh, c'est beau. Et bah, je crois que le deux fois plus loin, il y est, hein. On va vérifier, écoute, hein, mais... On va aller voir l'impact. Ouais, bon, allez, vas-y, on le met là, et puis on va voir ce que ça donne par rapport à moi. J'ai pas compté ? J'ai pas compté. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Je suis à 9 pas. 1, 2, 2,5. 8. 2,5. Il y a un pas, faut que je lance un pas plus loin au moins. Bon allez, vas-y, je retente ma chance. Allez. Par contre, on n'a pas récupéré le poids, oui. On est un peu con. Oh, quelle belle démarche. Agile, sauvage, relâché. Ah, la marche du crabe lesqué. Allez, je m'énerve. Allez, je te filme un petit peu. C'est bon, j'ai rien. Allez. Pareil. Ouais. Allez, me reconcentre, genre, je t'en refais un. Exactement le même, là, j'ai fait. Je crois qu'on peut dire que je suis à ma limite. Hein, il y a une stagnation là, il y a un truc qui se passe ouais, ici. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis un aimant. C'est sûr. Ou alors on peut dire ça différemment, on peut dire que t'es régulier. Ah, ou alors hein, c'est plus joliment dit en fait, régulier. Au lieu de dire que t'es mauvais. Ok. Allez, le dernier. Parce qu'on aime ça. J'ai envie de voir quand même si je peux lancer plus loin que ça, mince. Ouais. 10 cm de plus. Ah, peut-être un peu mieux, ouais. Bon, bah, les amis, je crois que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On arrive au bout de ma médiocrité en lancer de poids. En tout cas, Fred, je te dis un gros merci pour cette séance qui, pour moi, était un grand plaisir. J'ai plaisir partagé. Pratiquer le lancer de poids, pour moi, c'est assez rare. Du coup, c'est une super expérience de pouvoir partager ça avec toi. Avec plaisir. J'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, écoute, ça fait découvrir des choses, puis ça fait du bien de délocaliser un peu les lieux d'entraînement. Finalement, on se rend compte qu'avec peu de choses à côté de chez soi, comme c'est le cas ici, on peut faire énormément on peut faire des choses, ouais. Super. Et bah, Fred, je te dis encore une fois merci. Vous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec un nouveau guest, mais celui-ci, c'était le first class. Le first class au niveau du poids. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Réveillez l'animal en vous, surtout. Allez, ciao, ciao, les green movers. Coquin. On profite pas quand même, hein. Ça paraît pas comme ça, mais je suis pas si facile que ça. Ah ouais, c'est ce qui se dit, ouais. Alors, est-ce que ça marche ? Là, ça marche, je pense. Tac, je regarde aussi. Boum. Oui, ça marche, c'est perfetto. Perfetto, comment tu le conjugues ? Perfetti, perfetta, mos. Voilà. Il bouge bien, le gars. Il bouge bien. Si c'est pas smoothé, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Parfait. Tiens, on va faire un petit clap. C'est bon. Ça passe. Oh là là, le bel homme. De toute façon, moi, je suis nature. En habitude, je prends pas d'accessoires. Ah.